Et c'est parti pour ce huitième de finale. Retour entre l'Atlético Madrid et la formation de Yeda. Et frappé au premier poteau, la reprise de la tête directement sur le poteau justement. Allez, seconde chance peut-être, Gabi de nouveau pour Diego Costa cette fois-ci. Ouais, attention là, cette mauvaise passe en trait d'Heitor Núñez, Fernando Torres, il est passé et ça va être un 2 contre 1, Torres pour Diego Costa. Ouais, Diego Costa qui bute sur un autre Diego, Diego Rivas. Au centre de Vitolo pour Diego Costa, la tête qui passe juste au-dessus de la barre transversale de Diego Rivas. Sergi, oh le bon ballon de Sergi là pour Vitolo, dans la surface, la frappe de Vitolo et le nouvel arrêt de Diego Rivas. Attention parce qu'il y a de l'espace, Yannick Ferreira Carrasco pour Diego Costa qui sait bien emmener le ballon, Diego Costa, oh qui retrouve Carrasco, c'est bien joué. Et voilà, le compteur est débloqué, le tableau d'affichage indique 1-0 maintenant pour l'Atlético Madrid. But de Yannick Ferreira Carrasco. Un contre rondement mené par l'Atlético Madrid. Il s'est pas assez appliqué. Il n'était pas bon ce ballon. Du coup, ils l'ont rendu là. L'Atlético pour le 2-0. Et c'est signé Kevin Gamero. Eh oui, l'attaquant français entré en début de seconde période. Fernando Torres. C'est bien joué de la part de Torres, le bon ballon en profondeur pour Victor Vitolo qui rentre dans la surface. La frappe de Vitolo pour le 3-0 pour l'Atlético Madrid. Ça devient une seconde correction là pour la formation de Lleida. 4-0 au match aller et nous en sommes à 3-0 cette fois-ci alors qu'il reste encore 10 minutes. Manu Molina avec Jorge Félix. Oh, Jorge Félix aussi bien joué, le double contact, la frappe de Jorge Félix. Oh, ça aurait pu être un but exceptionnel si le poteau n'avait pas repoussé ce ballon. Quel enchaînement de la part de Jorge Félix. C'est incontestablement lui le meilleur joueur de cette formation de Lleida.